Je m'appelle Pierre-Jean Foulon, j'habite à Thuin, dans, dans le Hainaut, et je suis né à Charleroi. Donc, je suis vraiment dans un ancrage ennuyé Et j'ai eu, depuis mon enfance, la possibilité de m'intéresser beaucoup à la littérature, aux arts, aux arts plastiques et à la musique. Grâce à mon milieu familial, mon père était un écrivain ennuyé également puisqu'il était aussi originaire de Thouin, et euh, il m'a toujours emmené euh, à la fois dans des expositions dans des concerts et bien entendu puisque lui-même écrivait j'ai eu l'occasion dès mon enfance d'être plongé dans le milieu du livre et dans le milieu de la littérature euh, j'ai poursuivi des études euh, à la fois de, de littérature de philologie philologie classique où je me suis intéressé beaucoup à la poésie et notamment à la poésie grecque puisque j'avais étudié le latin et le grec. Le latin m'intéressait pas trop, le grec euh, était très important pour la poésie et je considère toujours d'ailleurs qu'un des plus grands poètes c'est euh, Homère, qu'il ait existé ou pas. Sans doute euh, n'a-t-il pas existé. Après mes études de philologie classique, donc de philosophie et lettres, j'ai poursuivi des études d'histoire de l'art car j'ai toujours été à la fois attiré à la fois par le côté très conceptuel et très abstrait finalement de la littérature, mais aussi euh, par le côté matériel de, de l'art, de, de la création plastique. J'ai fait des études d'histoire de l'art, mais j'ai eu l'occasion aussi, non pas de travailler dans la création plastique, mais de voir comment se faisait la création plastique en suivant des stages, dans l'atelier de Félix Roulin à la Cambre pendant deux années, et également aussi euh, j'ai... Poursuivi un stage de gravure avec Gabriel Belgeon, qui m'a introduit dans toutes les techniques de la gravure et dans toute cette cuisine extraordinaire qu'est la gravure de la manière noire, l'eau-forte, le vernis mou, etc. Et en plus, j'ai eu l'occasion, pendant toutes mes humanités, de, de suivre des cours d'art de, parlé, comme on dit maintenant, mais que l'on appelait à l'époque diction-déclamation. Et je crois que l'intérêt que j'ai pour la poésie, au-delà de d'Homère, au-delà de tout ce que m'a appris, de, de tout ce que m'a permis de connaître mon père, c'est aussi le fait que j'ai pu dire la poésie, j'ai pu parler euh, la, la, la poésie. Euh, je pense que c'était un, un, un moment extrêmement important pour moi et je dois rendre hommage à un, à un prof que j'ai eu dans, dans, dans une académie à Berkem-Saint-Agathe, d'ailleurs, parce que tout un temps j'habitais Bruxelles, c'est Alain Mignot qui m'a énormément euh, apporté sur le plan littéraire et sur le plan de, de la, euh, du passage de la poésie. Donc je me suis intéressé euh, à la poésie en, en, en tant que à reparler, mais aussi en tant qu'écriture, et euh, mon père étant écrivain, comme je l'ai dit euh, tout à l'heure, était aussi instituteur de profession. Et en tant qu'instituteur de profession, il s'est fort intéressé à ce qu'on appelle la méthode freinée, c'est-à-dire une méthode qui consistait à réaliser, à faire réaliser un livre ou en tout cas des pages de livres par des, des de, de, de jeunes enfants. Et cette méthode freinée, c'est une méthode typographique. On prend les caractères par caractère et on les dépose dans un composteur et puis on les imprime sur une petite presse. Alors cette méthode freinée, elle a beaucoup influencé euh, des, des, des écrivains. Mon père, mais je pense aussi à Guy Goffet. Que j'ai eu l'occasion de, de, de rencontrer plus tard, lorsque j'étais euh, conservateur au musée de Marimont et où je me suis intéressé aux presses privées. Et donc, je me suis rendu compte que tout ce milieu professoral d'instituteurs de campagne, Guy Goffet comme mon père était un, un, un instituteur de, dans, dans, dans la campagne, eh bien, euh, se sont intéressés à, à l'impression de leurs propres textes. En 1973, mon père prend sa retraite et décide à ce moment-là de s'acheter une presse d'imprimerie, une presse typographique. C'était assez facile à l'époque, puisque c'était le moment où les imprimeurs abandonnaient euh, la, la typographie, hein, les linotypes, euh, voire la typographie manuelle, pour passer à l'offset. Et donc, dans un petit village aux environs de Toin, il y avait un imprimeur qui revendait son matériel. Mon père l'a acheté et a commencé à publier ses livres typographiquement, de manière tout à fait artisanale. Et à cette presse privée, il a donné le nom d'édition du Spantol. Alors, mon père n'imprimait que ses propres textes et les miens quand je me suis mis à écrire je me suis mis à écrire euh, disons euh, à la fin de mes études euh, c'est à peu près à ce moment-là à la fin de mes études d'académie mes études euh, universitaires c'est à ce moment-là que je me suis mis à euh, écrire des textes poétiques également et donc mon père est décédé en 2008 il y a une, une douzaine d'années maintenant et comme moi à ce moment-là je prenais moi aussi ma, ma retraite ben je me suis dit voilà je vais continuer euh, l'aventure des éditions du Spantol et je la continue encore aujourd'hui. Il y a à peu près une cinquantaine d'ouvrages qui ont été publiés par les éditions euh, du, du Spantol. Mon père en a fait une trentaine environ, moi j'en ai publié une vingtaine. J'espère encore pouvoir en publier euh, quelques-uns. Et euh, la, la caractéristique donc au départ des éditions du Spantol, c'est que ce sont des euh, livres essentiellement... Typographique. C'est une petite presse allemande de type Victoria Mercure. C'est un très joli nom d'ailleurs pour, pour une presse, hein, Victoria Mercure. Et donc mon père n'a jamais imprimé que typographiquement. Moi-même, je continue à faire imprimer parce que mon père, lui, imprimé était. L'imprimeur lui-même, c'était lui qui était le typographe moi-même. Je n'ai pas le temps de, de le faire. Je, j ai, j ai, les activités que, que, que j'ai encore maintenant ne me permettent pas. Et je n'ai la patience non plus, parce qu'il faut avoir une patience d'ange pour pouvoir composer typographiquement un texte caractère par caractère. Alors, les livres que j'édite aux, aux éditions du Spantol, tantôt ils sont en typographie manuelle, et là, je demande la plupart du temps à la maison de l'imprimerie de Thuin, qui est un musée artisanal de la typographie, d'imprimer euh, mes ouvrages. Mais il y a aussi des livres que j'imprime euh, et qui sont alors euh, réalisés par d'autres procédés avec des technologies plus récentes, que ça soit euh, la risographie, qui est une espèce de, de super photocopieuse en, en, en quelque sorte, ou alors bien entendu aussi les technologies numériques. Alors. Je peux montrer un, un, un ouvrage euh, qui vient de sortir. C'est un produit du confinement, pourrait-on dire, puisque euh, ça a donné pas mal de temps aux, aux artistes et aux, aux écrivains, enfin à tous les créateurs, de travailler pendant cette période un peu étrange, qui, par ce côté-là, était quand même fascinante. Et voici un livre que euh, j'ai réalisé avec euh, un plasticien sculpteur, aussi peintre et dessinateur, qui est Daniel Fauville. Alors, ça s'intitule L'arbre et la pierre, publié donc aux, aux éditions du Spantol, et ce livre est un livre essentiellement typographique. Voilà, euh, par exemple, la, la première page. Ce sont, c'est une collaboration euh, entre donc Daniel Fauville, artiste tudinien également, euh, qui a créé des, euh, des dessins d'abord. Il m'a dit ah, oui, en, en fait les livres que, que, que je réalise, c'est souvent une carte blanche que je donne à, que, que j'offre aux plasticiens qui sont des amis. Hein, ce sont des, des, des gens que j'apprécie, dont j'apprécie le travail et je, je leur demande s'ils sont d'accord de collaborer avec moi à la réalisation d'un livre. Euh, ici, il s'agit donc de, de, de linogravure à propos desquels j'ai réal... écrit de, de courts textes qui euh, ont rapport à, à l'espace et à l'architecture. Car dans le travail de, de Daniel Fauville, il, euh, il s'agit essentiellement d'un rapport entre l'architecture, bah c'est ce qu'on voit ici dans, dans ces espèces de, 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 de palais. Euh, de, de constructions étranges qui sont là et qui sont jumelées à des, euh, des éléments naturels. J'ai donc écrit de, de, de petits textes, euh, comme par exemple ici Y aurait-il tant de différences entre la cime d'un arbre et le toit d'un palais Alors, ce qui est intéressant dans, dans, dans ce texte, plus que l'aspect littéraire, c'est le fait que c'est essentiellement une typographie artisanale, caractère par caractère. Euh, un autre livre qui, qui est sorti également pendant le confinement et qui a un tout autre aspect euh, s'intitule Poétique du carré. C'est aussi un travail que j'ai fait en, en collaboration avec euh, un artiste, un graveur que, que j'aime aussi beaucoup, dont, dont j'aime aussi beaucoup le, le, le travail. Il s'agit de, de Luc Étienne, encore un ennuyé d'ailleurs, euh, lui et, et, et de Binche. Et donc nous nous étions rencontrés... Lors de, du marché du livre à Marimont, enfin je le connaissais déjà bien avant, mais lors du, marché du, du dernier marché du livre à Marimont, je lui avais demandé, est-ce que ça t'intéresserait de réaliser un livre avec moi Ah oui, bien sûr, a-t-il dit. Et donc nous nous sommes mis au travail, et lui, il a un, une création, un travail tout à fait différent de, de celui de d'Aniel Fauville. C'est un travail très très géométrique, extrêmement précis, extrêmement méticuleux, très, très minimaliste, où le carré joue une grande importance, a une grande importance, d'où le titre euh, Poétique du Carré. Luc Etienne a réalisé euh, quatre gravures sur bois, ça a été pour lui un très très long travail, et tout se joue dans la transparence, euh, si, si l'on regarde, le, le si l'on feuillette le livre, on voit se succéder euh, des, des planches qui euh, sont toutes, dont, dont tout l'intérêt euh, est, est suscité par, par cette transparence et, et par ce côté minimal des teintes et, et des couleurs, toujours sur le thème du carré. alors, moi, j'ai rédigé quelques textes qui ont été imprimés cette fois non pas en typographie euh, manuelle, mais qui ont été imprimés euh, en lithographie par euh, bruno robe de, de, de framerie. La composition alors du texte elle-même ayant été faite par un autre artiste avec lequel j'ai travaillé et qui est Denis Mayer donc qui est un graphiste. Alors d'autres livres. Voici par exemple un, un livre que j'ai réalisé euh, l'année dernière qui s'intitule Éclat et qui a été réalisé cette fois-ci en collaboration avec deux graveurs. Le premier est Cyril bihan, qui est un élève de, de, de Gabriel Belgeon. Et, et l'autre, c'est Wilfried Pullings, qui est un ami de, de, de Cyril bihan et qui est un, un sérigraphe véritablement exceptionnel, professeur à l'Académie flamande d'Anderlecht. Alors, ce livre, ben, le, le, le voici ce sont quelques textes très courts que, que j'ai soumis aux deux artistes, et tout un travail de, de composition plastique a été réalisé conjointement par Cyril Biens et par Wilfried Pullings. C'est un, un, un livre en, en accordéon, en tant qu'il se déplie comme ceci, il y a à peu près une vingtaine de pages. Et le, le point de départ est un, un travail graphique, un, un travail plastique de, de Cyril Biens réalisé au départ... Je dirais d'une espèce de technique de vitrail. Ce sont des morceaux de, de verre qui ont été floutés et qui ont donc servi à, à créer cette espèce d'univers plastique de formes qui s'enchevêtrent et de couleurs qui, qui, qui s'opposent les, les, les unes aux autres. Alors, pour la réalisation euh, du livre, Cyril a fait appel à son ami sérigraphe euh, Wilfried Pullings Et je pense que là, euh, Wilfried a fait un travail véritablement exceptionnel. Euh, d'abord par la qualité des, des, des différentes images qu'il qui a imprimées, mais aussi par le fait que les, les quelques courts textes qui apparaissent dans, euh, dans l'ouvrage ont été imprimés en sérigraphie également. Donc ce n'est pas une impression en blanc comme sur cette page par exemple, des textes qui a été surimposés à l'image. non, le texte lui-même a été euh, réalisé dans la sérigraphie elle-même, ce qui est en, en quelque sorte. un hein, Très beau tour de force. Et deux autres ouvrages que, que j euh, sur lesquels j'aimerais insister maintenant. Ceci est une, une carte blanche, bleue pourrait-on dire, que j'ai euh, donnée, que j'ai offerte à une artiste, une reliure, mais aussi une plasticienne qui fait d'autres travaux que, que la reliure. C'est une Française, Camille Boiseaubert. Que j'ai rencontré lors du jury de la, de la bourse de reliure qui est donnée tous les trois ans par l'atelier euh, du livre. J'avais été intéressé par le projet qu'elle avait fait, qui était ce qu'elle appelait des, des reliures 3D. Bon, d'abord, il a fallu écrire le texte, et, et les textes que j'ai que, que rédigés, je les baptisé Ready M. Pourquoi ReadyM parce qu'évidemment ça fait ça fait ready -made, hein, euh, Mais ce sont des c'est la technique que, que les, les, les gens de la Beat Generation ont beaucoup utilisée, des gens comme ginsburg par exemple hein, ou, ou Kerouac qui ont, ont utilisé la technique du cut-up, c'est-à-dire que vous prenez des textes qui viennent un peu partout. Dans, et moi les textes que j'avais choisis c'était des textes de de philosophie de l'art que que j'ai feuilleté et dont j'ai tiré euh, différentes phrases que j'ai mêlées, donc selon cette technique du cut-up. Et la première, par exemple, ben je, je vous la lis, elle est tirée euh, d'un ouvrage extrêmement important et très, très judicieux de, de Thierry Duduve de qui s'intitule Persistance du Ready Med, d'où le titre que j'avais donné Ready M. La théorie n'explique pas l'urinoir, n'explique pas la théorie. Euh, bah, ça évidemment c'est la référence à Marcel Duchamp c'est la, la, la première phrase que euh, j'ai tirée ben, très simplement hein, de, 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 à la fois de cette référence à Marcel Duchamp et à ce très bel ouvrage de, de Thierry de Duve. Alors j'ai donné ces phrases il y en a une soixantaine à Camille Boiseaubert, à qui j'ai dit ben voilà euh, vous faites ce que vous voulez et, et elle a réalisé cet ouvrage avec d'abord une manière de, te, de, de faire en sorte que les, les, les différents feuillets tiennent par un, un système qui paraît simple de prime abord, mais qui est en fait un système qui a été réalisé en imprimant 3D. C'est la première fois, Mathèbe dit, et je, je la crois profondément, que euh, c'était donc elle qui a mis au point ce système avec euh, euh, son amie. Alors, elle-même a mis en page l'ouvrage qui a été imprimé en euh, risographie donc euh, ce, ce système de, de, de photocopieuse euh, ultra perfectionnée et qui permet d'ailleurs des, des dégradés extrêmement intéressants on voit ici ce, ce passage entre le blanc du papier et finalement le, le, le bleu du, du, du fond des pages pages sur lesquelles est imprimé deux fois le texte euh, avec des caractères différents un texte une première fois de manière horizontale et puis l'autre fois de manière verticale. Alors voilà donc un, un, un ouvrage réalisé en, en rhizographie. En voici un autre qui euh, a été réalisé cette fois avec un ami que l'on appelle Étienne Colas que j'ai très bien connu puisque nous avons été collègues au, 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 au Musée de Marimont. Et Étienne euh, est sculpteur de formation, un sculpteur ici, euh, il a fait ses études ici à Mons, à, à, à l'Académie. Et euh, l'intérêt de, de, de son ouvrage maintenant, c'est qu'il réalise ce qu'il appelle des sculptures virtuelles. Euh, voici un, un exemple de, de, de ces objets étranges qui euh, font tous référence à des objets dans lesquels apparaissent des cartes de géographie. Ce sont des objets fascinants qui n'ont évidemment aucune utilité ni aucune existence en soi dans, dans, dans la réalité, qu'il serait sans doute très difficile de réaliser matériellement, encore que. Et donc, lui m'a donné une, une soixantaine d'images numériques, nous en avons choisi une dizaine pour réaliser cet ouvrage, mais en même temps, nous avons réalisé une vidéo. Euh, qui accompagne le livre et que l'on peut se procurer lorsque, si, si, si l'on est intéressé. Et donc, euh, il y a à la fois la vidéo avec des textes que j'ai écrits et qui accompagne chaque fois les images. Donc, ça, c'est une vidéo. Mais alors, il y a évidemment ce livre-ci qui a été imprimé euh, de manière tout à fait numérique euh, cette fois. Il y a beaucoup de plasticiens avec lesquels j'aimerais beaucoup travailler. Euh, avec tous ceux avec qui j'ai travaillé sont, sont en général des, des, des amis dont j'apprécie beaucoup le travail. Mais s'il y en avait un, et c'est un rêve inaccessible évidemment, euh, avec lequel je, je pouvais travailler, c'est quelqu'un qui a travaillé à la fois dans, dans, dans l'image, mais euh, dans la vidéo, mais aussi dans le livre, et c'est William Kentridge. Je viens d'avoir l'occasion de revoir une rétrospective de lui qui a été présentée à Villeneuve d'Ascq et j'ai apporté le catalogue parce que je trouve que William Kentridge est véritablement un artiste. Euh, que, euh, Wagner parlait de Gesamtkunstwerk, l'œuvre d'art totale. Eh bien, c'est véritablement ça, c'est un peu un Wagner des, 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 des temps modernes. Et, et même quand je, je feuilletais euh, ce, ce catalogue, et après avoir vu l'exposition, je me rendais compte que William Kentridge, lui-même, a travaillé dans le thème du livre. Comme par exemple ici, dans ses... Dans dans ces slogans, en, en quelque sorte, qui, qui sont là, en, imprimés en rouge sur les pages, eh bien, ce sont des pages de livres qui apparaissent. Donc voilà, un artiste extraordinaire, William Kentridge. Mais évidemment, je ne crois pas que je pourrai un jour accueillir William Kentridge dans les éditions du d'Espantol. On ne sait jamais. S'il y avait un lieu que j'aimerais bien mettre en valeur à propos de l'imprimerie, c'est. Euh, la maison de l'imprimerie de Thouin, donc qui est un musée artisanal qui a été créé par un, un typographe professionnel qui avait commencé à travailler à 14 ans dans une imprimerie, c'est Guylain Bourdon, et, de, et, et qui a fait une collection, qui a rassemblé une collection de, de machines et de matériel de typographie extraordinaire. Et... Euh, ce musée accueille lui-même des plasticiens qui créent dans le domaine du livre, comme par exemple Bernard Villers, hein, qui a réalisé à tuin un, un petit livre très minimaliste, comme euh, il, il fait d'habitude, et que voici réalisé avec des caractères d'imprimerie euh, de la maison de, de l'imprimerie. Voilà un, un lieu que où j'aimerais inviter tous les amateurs de livres, la maison de l'imprimerie. That's toi